Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Zatirance pour les intimes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, même s'il fait très chaud. J'ai mis le ventilateur sous mon bureau, j'espère qu'on l'entendra pas directement braqué sur les testicules, parce que c'est ça qui rafraîchit. Et on se retrouve aujourd'hui pour découvrir un jeu qui s'appelle Ogu and the Secret Forest, qui est sorti en version 1, hein, qui est sorti dans sa version classico-classique, le 29 juillet 2024, développé par Moonlab Studio, Think All Studio, édité par Think All Studio. C'est un jeu d'action-aventure en 2D avec des puzzles, un peu à Little Dew. Vous allez voir, ça ressemble un peu à Little Dew, c'est dans l'esprit d'Little Dew. J'avais fait sur ma précédente chaîne, qui a été bannie en 2021, j'avais fait le 1 et en partie le 2, même si c'était difficile. Bref, on va découvrir ça, nouvelle partie. Ça va être joyeux, ça va être féerique, ça va être cochon. Et Dieu sait qu'on aime les cochons. Voilà, j'ai fait la bonne truie en chaleur, je sais. Mes collègues me disent souvent que je fais une très bonne truie. Et voilà, canicule, ventilateur, Ogu and the Secret Forest. De quoi être parfaitement heureux ou pas du tout. On a un serpent pénis. Et on a Ogu qui arrive avec son filet à papillon. Oh, le filet à papillon. Ah, c'est une histoire. Maman. Maman. Oui, mais il va partir à l'aventure, ce garçon. Enfin, je sais pas si c'est un garçon, mais... Il va forcément vouloir partir à l'aventure. Il va lui arriver l'état d'aventure. Ça, j'aime bien. Se déplacer, maintenez le bouton pour courir. D'accord, je joue à la manette. Hein, voilà, ça se joue très bien à la manette, évidemment. Alors, tu pars à l'aventure aujourd'hui. N'oublie pas ton chapeau et ton filet à papillon. Ok. Ok, papa, maman, bisous. Filet à papillon. Un filet à papillon. J'aime le filet à papillon. Un chapeau. Un chapeau. Qu'est-ce qu'il me veut, mon papounet? T'as vu, j'ai mon chapeau, j'ai mon filet à papillon. Je suis très stylé, je suis très classe. Aussi classe que la cérémonie des JO. Câlin, bisous, bisous, câlin. Et en avant, fais gaffe, fiston. Ne traîne pas dans les endroits hostiles. Ouais, ouais, ouais. Mais tu me laisses partir comme ça. Je peux pas. Ah, oh là là, j'ai détruire le château de sable. Ah, ouais, d'accord, ok. On peut s'asseoir. Et réfléchir au sens de la vie. Et on peut s'asseoir et réfléchir au sens de ma vie. Au sens de la nuit. Ok. Main, lancer de filet, très bien. C'est l'équivalent de mon épée. Ok, à la Zelda, très bien. Oh, une feuille, fleur, feuille. Une feuille courante, très bien. Dans la gueule des poubelles. La poubelle pour aller danser. Oh, un bâtonnet de poisson. Ok, pour l'instant, on obtient des superbes items extrêmement rares. Tellement rares qu'on les trouve dans le moindre fourré. Et Dieu sait qu'on aime les fourrés. Qu'est-ce qu'il raconte? Ouah, ouah, tu pars à l'aventure, bébé Wogu. Fais attention et amuse-toi. Ok, je peux pas te voler des choses. Non, d'accord, on n'est pas un voleur. Très bien. Oh là, il y a une vache. Moi aussi, je voulais devenir un aventurier, puis je me suis fait les croiser. Ah, le classique, le classique. Un filet, un chapeau d'aventurier sont indispensables pour partir à l'aventure. Ils te vont très bien. Ok, très bien. Et bah, puisque c'est comme ça, je pars à l'aventure. Voilà. J'en ai rien à faire, moi. Comment ça s'asseoir? Ah, c'est un... C'est une pagode. Un oiseau. J'aime les oiseaux. On va suivre ce corbeau et on va le mettre dans notre besace. Aïe. Tiens, dans la gueule. Ok. C'est très joli, hein. Enfin, c'est très mignon. Je crois que c'est développé par 4 personnes en plus. Donc ça fait plaisir. On soutient les petits développeurs, les petits créateurs, hein. C'est l'intérêt de ma chaîne, d'ailleurs. Amis. Vous pouvez vous faire des amis. Une fois un ami ajouté, il sera enregistré dans le livre d'appel. Oh, c'est Titope. C'est Joseph Titope. Salut bébé Ogu, tu vas, tu pars à l'aventure. Fais attention et appelle-moi 4 pépins. Une gentille taupe du voisinage est capable de creuser le sable à l'aide de ses griffes robustes. Hein, un oiseau noir. Ouais, je suis pas sûr, mais je crois qu'il est parti à droite. À droite, classique. Ah, on peut pas aller dans l'eau. Oh, il y aura une grenouille à récupérer. Peut-être pour le 100%. Très bien, est-ce qu'on peut passer par là? Non. Est-ce qu'on peut passer par là? Non. On va suivre cet oiseau. Cui-cui, ignan, miam-miam, brout-brout. Ok, suivons-le. Une poubelle qu'on peut tabasser. Je ne veux pas résoudre des choses seules, appelle un ami. Ok. Ok, maman, interagir. Bébé Ogu ne peut pas résoudre ça tout seul. Eh bien, j'appelle Titope. Allô? Ok.
C'est un super Pokémon. C'est un Pokémon de malade. La musique est très sympathique. Ok, on va suivre ça. C'est vrai que ça ressemble à Little View dans la direction artistique, dans... avec des petits puzzles comme ça. Est-ce qu'il y aura des donjons et des combats? Je ne sais pas. Musique tout à fait sympathique et joyeuse. Joyeuse comme neige. Qu'est-ce que c'est que ça? Cet oiseau est maléfique. Oh, la grotte. La grotte du cerf ailé. Très bien. Je déteste la chaleur, voilà, que ça soit dans les jeux vidéo ou de surtout dans la vraie vie. Allons dans cette grotte. Qu'est-ce qui se passe? On va sprinter. J'ai 3 points de vie en haut à gauche. Le saut. C'est quoi, il y a 8 trucs, 8 morceaux à récupérer? Le cœur du monde. Vous êtes arrivé dans un nouveau monde inconnu. Désolé de t'avoir emmené dans ce nouveau monde sans ta permission. Ce monde a profondément besoin d'une brave personne comme toi. Ce monde brisé a besoin de toi. Prends cette plume et rends-toi au village à l'est, là où le soleil se brille. Ah oui, c'est en mode Zelda, Zelda 2D. Une étrange voix vous a dit de vous rendre au village à l'est. Très bien. Une plume qui se trouvait dans votre poche va vous être réveillée dans un monde inconnu. Elle est noire mais brille de mille feux. Intéressant. Nom d'un macaque, le chef a toujours dit qu'un jour un héros arriverait pour sauver notre monde. Mais je ne pensais pas voir ça de mes propres yeux. Je vais pouvoir me vanter auprès de tous mes copains. Très bien. Dans le journal d'aventure, vous pouvez suivre la progression de votre quête. Ok, de ma quéquette. Principal, secondaire, ami, dessin, pomme de vie. Ok. Là, on a les objets. Là, on a des totems et des collections à faire diverses et variées. D'accord. Bon, c'est un jeu de complétionniste. Hein. C'est un jeu où il faudra récupérer, ma foi, des tas de choses, des tas de bonnes choses. Est-ce que je peux voir progression? Forêt centrale, jungle, forêt lunaire, désert, terre enneigée, océan, port. D'accord, il y a l'air d'avoir plusieurs mondes et pas mal de contenu. Oh, j'ai obtenu une pièce d'or. Oh, des pièces d'or. Eh bien, écoutez, on va... Il y a une gravure angulée. Ok, il faudra sans doute ramener des choses ici, des pierres. C'est juste une vidéo découverte. Une ou deux, peut-être. Mais c'est pas du tout un let's play. Je ne pars pas sur un let's play, il fait trop chaud pour ça. Ouais, salut, bienvenue au Zephyr Express, toujours en service. Ce monde composé de 6 régions est trop vaste pour être arpenté à pied. Marcher, c'est pénible, navigue simplement avec le Zephyr Express. Ah, tu n'as pas de ticket? N'hésite pas à revenir quand tu auras un ticket. Ok, mec. Ok. Oh, des oiseaux. Vas-y, récupère des pièces, vole les pièces qui sont dans la nature, dans les fourrés. Vas-y, vas-y, casse tout, casse tout. On a besoin d'argent, il faudra sans doute s'acheter un ticket. Là, il y a des pierres. Là, il y a une pierre spéciale, mais on ne peut rien faire. Oh, le papillon! Un papillon trouvable dans toutes les régions. Ok, il faut trouver des insectes. Comme quand je vous dis que c'est un jeu de complétionniste, c'est un jeu où il faut récolter des tas de choses. Voilà, des tas de choses délicieuses, juteuses, visqueuses. Oh, Bassis Das. Hey, salut, petit. Est-ce que t'aimes bien dessiner? Je suis un peintre. J'arpente les contrées du monde entier pour peindre de magnifiques panoramas. Je laisse une marque à chaque panorama que je peins. Je vais te donner quelques outils pour peindre. Mais qui t'a dit que je voulais peindre? Un kit de peinture. Tu peux dessiner en étant sur une marque de bichon. Ça va fournir les indices et informations. Très bien. En bas de Zelda. Ok, pourquoi pas. Et donc là, je dessine. Yes, oui, on est peintre. Il faut que j'appuie sur A. Ok. Il faut que je réappuie sur A. Ok. Il faut que je réappuie sur A. Ok. Il faut que j'ai réappuyé sur A, ok, ok, magnifique. Une vue panoramique sur un charmant croisement, c'est le premier dessin avec le kit de peinture du peintre Bichon. Ah ouais, tu as un vrai talent pour le dessin. Si tu vois ces marques à nouveau, pense à t'arrêter pour dessiner. Ok mec, t'inquiète. Oh, il y a des herbes à la Pokémon. Ouest, village de lune, village de soleil, cœur du monde. D'accord, il fallait que j'aille où, j'ai oublié. Bon, de toute façon, je pense qu'au début, les routes vont être bloquées. Et voilà, c'est bloqué. Oh, on peut s'asseoir sur cette souche d'arbre pour se branler.
Ok, on va récupérer ça. Qu'est-ce qui est écrit là? Très bien. Bon, il me dit juste que c'est par là. La jungle. Oh, c'est terrifiant. Oh putain. Obélisque le tourmenteur. Un papillon. Il y a une stèle. Synonyme d'un temps passé. Ok, ok. Oh, des graines de caca. Oh, une graine, ouais, la nature. On dirait de la cardamome. Très bien. Un papillon. Papifion. Très bien. Très bien. Pourquoi ils ont pas fait le Pokémon Papifion? Ça, j'ai toujours pas compris. Une feuille d'or. Ah, oh, formidable. On pourra en faire du café. Du délicieux café. Une fois la foi de Dieu brisée, le pur rétablira l'harmonie. Nous, les saints, je me vomitis, guideront l'air pur. Très bien. Je viens manger indien, donc forcément je rote. C'est l'histoire de la vie. L'histoire de la chaîne, c'est des rots. Des rots. Terracine n'a qu'à bien se tenir, voilà. Oh putain, il y avait un coffre caché. 500 pièces d'or. Ah ouais, non, mais c'est la fortune du père Lachaise, là. Ok, des pièces, je prends. Ok, vas-y, on va suivre. On va suivre. C'est pas un jeu pour ceux qui veulent récupérer tout, parce que, dis donc, ça prend son temps de tout récupérer. Enfin, c'est justement un jeu pour... C'est pas un jeu pour ceux qui veulent aller vite, et c'est un jeu pour ceux qui veulent tout récupérer. Halt! Un premier puzzle. Une épaisse jungle se présente à toi. La vie, c'est comme une grande forêt d'arbres. Tu ne sais jamais ce qui se présentera à toi. Mais je reconnais, c'est Forrest Gump. Tant que tu ne m'auras pas prouvé ta clairvoyance, tu ne passeras pas. Ok, ok, mec. Très bien. On va aller se branler dans un lac. Tiens, dans la gueule. Voilà, voilà. Alors, minable. T'es minable. Voilà. Ah, c'était pas mal. Puisque tu as prouvé ta clairvoyance, je vais t'enseigner deux, trois choses. La force du pénitentiaire. Vous pouvoir octroyé par le maître Scarabée. Vous pouvez désormais pousser les rochers ronds. Et je sens qu'on se reverra un jour, que ton voyage soit couronné de fortune. Ok, tu peux pousser les objets ronds. Ah bah c'est formidable ça. C'est exceptionnel. Donc on peut aller où c'est qu'on veut. On peut aller là pour récupérer le coffre. Oh là là, une mangue. Un fruit de rang 3, petit mais savoureux. Et un coffre avec des tas de pièces d'or. Des milliards de pièces d'or à ne plus savoir qu'en foutre. C'est formidable. Formidable. Ok, vas-y, on pousse les rochers. Ici, il y a de l'eau. On pourra venir se prendre des bains de siège. Se baigner le fion et le jonc. Mais pour l'instant, je peux juste aller me faire foutre. Ok. On va suivre cette quête. Pourtant, il me dit quoi, là? Tout, trouver le village du soleil. Ok. Bon, on y va. On y va. On récupère juste un peu tout ce bordel à cul. Ici, on peut pas passer cette pierre mousseuse. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Un hanneton des forêts. Oh, sympa. Ok, allons-y. Oh, il y a un singe communiste, sans doute. Comme tous les singes de son espèce. Ici, on peut pas monter. Voilà. Ici, on pousse cette roche. Ici, on pousse ça. Je sais pas du tout à quoi ça sert. Après, je suis numéro 1 en quête. Ça, faut pas l'oublier. En quéquette, même. Là, on fait ça. Hop. Là, on fait ça. Qu'est-ce que je fais, là? On fait ça. Merde, là, j'ai chié, je crois. Ah, j'ai chié. RT, refaire. RT, si c'est triste. Ok. J'ai dit que j'étais trop fort, mais en fait... Que nini. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Je vois l'idée. Comme Johnny a l'idée. Johnny, je vois l'idée. Voilà. Et ça, comme ceci, comme cela. Voilà. Bon, bah, je suis beaucoup trop fort. Oh! On a ouvert 1 sur 2, formidable. Ok, et là on a l'homme chelou qui m'observe dans la forêt la plus pure, la plus obscure, la plus lointaine et la plus sexuelle. Et Dieu sait que c'est ce qu'on aime, les forêts sexuelles. Ça a des petits goûts de Pokémon quand même, des fois, vous voyez. Ces herbes hautes sont très Pokémonesques.
Voilà, bon, ça, c'était pas d'une complexité folle. J'avais arrêté le Let's Play sur Itldue 2, je me rappelle, parce que c'était très difficile. Itldue, c'était vraiment... Oh, une pièce, ok. C'était vraiment compliqué, Itldue. Mais c'était très bien, hein. Quoi qu'on dise, quoi qu'oubé, c'était très très bien. Vas-y, récupère ça. Il n'y a rien d'autre, là? Non, c'est un chemin parmi tant d'autres. Un chemin de plus ou de moins. Seule la vérité le sait. Oh, vas-y. Vas-y. Ok. Qu'est-ce que je fais, là? Ok. Là, je peux pousser ça. Oh, il faudrait idéalement que je récupère cette pine boursouflée. Genre comme ça, là, on est pas mal, non? Je frappe un peu à hasard, mais ça se passe... Ah non, on était bien, caca boudin. Ok. Ok. Je peux pas la frapper à équidistance. Là, je suis coincé, non? Je suis coincé Axe le Gaulois, non? Non, ça devrait aller. Ouais, non, ça, c'est pas bon. Voilà! Ok. Et on obtient quoi? Oh, un cœur en plus. 1 sur 7 dans cette zone, manifestement. D'accord, pas mal. J'aurais fait une petite ellipse ou pas. Parce qu'en fait, je m'en suis pas trop mal sorti. Bon, bah, on a 4 points de vie, ça, c'est excellent. Pour l'instant, on n'a pas vu de mob. On n'a pas vu de méchants communistes. Oh, des pièces. Ah ouais, non, mais là, on va pouvoir acheter toutes les prostituées du monde, là. Ça va être formidable. Ok, c'est par là, mais du coup, s'il me dit que c'est par là, pourquoi je peux pas aller là? La cascade de je sais pas quoi. Vas-y, dessine, 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 mon petit vieux. Bien joué. Une statue géante d'un singe méditant. L'arrière de la cascade semble cacher quelque chose. Oh. Cascade de l'épreuve. Ah oui, non, je peux pas passer. Il faudra sans doute que je sache nager. Ça sera pour plus tard. On va aller au village. Au village. Vas-y. Sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Vas-y, on récupère ça. On récupère tout ça. Oh là, il y a un chemin de boue. Pardon, j'ai roté. J'aurais dû prévenir avant. Ah ouais, d'accord. Ok, le combat, c'est pas le point fort du jeu. Mais tout va bien. C'est à la Itldue. Ah, tu es sale. Sale est un statut intervenant en marchant dans la saleté. Certaines actions sont restreintes par le statut sale. Ah, le statut co. Terme, il existe une pléthore de termes à travers le monde. Ah, bien, 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 bien. Pour se nettoyer l'oignon. Tu aimes bien les eaux thermales, toi. Il y en a tellement à travers le monde. Je rêve, on est au Japon avec ces singes-là et les termes, non? Je rêve de faire un tour du monde des eaux thermales pour me prélasser partout dans le monde. Mais je peux pas partir d'ici car ici c'est vraiment chaud et relaxant. Est-ce que tu pourrais te baigner dans 3 eaux thermales différentes pour moi? Oui. Après, ça n'a aucun intérêt dans le sens où ce qui est intéressant, c'est de sentir l'effet. Donc c'est à toi de le faire, pas à moi, mais écoute, pourquoi pas. Mais oh, viens ici, prête-moi ma force. Ce singe ne poussera jamais de ses terres, même si j'ai voulu y en persuader beaucoup de fois. Je pense que quelque chose qui est à moi se trouve dans cette grotte, mais je ne peux pas ouvrir la porte. Ouais, tu veux aller au village du soleil? Je peux te montrer le chemin si tu ouvres la porte et trouves mes affaires. Ok, t'inquiète. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? L'entends pas. Je l'entends pas, ça c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qu'il me dit? Allez, trouve-moi des affaires, tu as trouvé des affaires, qu'est-ce que t'attends? La bouche. La bouche, l'œil. L'œil, oreille, bouche. Œil, oreille, bouche. Œil, oreille, bouche. Ouais? Mais je mets ça où? Comment je sais où je mets ça? Quoi? Ah bah j'ai réussi. J'ai fait du pif. Ouais, c'est fou, mais je suis un peu l'idée dans ma boîte de grotte. Ok. Ok mec. Tiens dans la gueule. Entrepôt des singes, on va y aller, on va tous leur boursouffer la gueule, ça va être vite réglé. Oh la tour de Magix. Oh, il y a un autre cœur à trouver, là. On va y aller. On va y aller. On va lui poutrer le fion. Ça va être très vite réglé. The big fion. The big cul.
Bien joué à moi-même. Je suis en train de smurfer sur la game, là, comme on dit. Ah merde, là, je peux pas passer. Ok. Très bien. Très bien. Non, d'accord. Ici, je peux pas pousser ces choses de la vie, non. On va repasser là. Ok. Ok. Ok, c'est pas mal. Eh ben non, c'est pas mal, ouais, mais c'est pas mal, mais ça me sert à rien. Ouais, surtout que là, ça. Ok. Et qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est rien. Ça bouge. Ouais, je vais pouvoir toucher celle du bas, mais on s'en fout de celle du bas, non? Ah non, d'accord, là j'ai... Ok. Pas mal. Oh, pas mal. Ah oui, j'ai fait une pierre de couille, là. Une pierre de couille Bertin. Ok. Bah voilà. Facile, facial, efficace. Ah oui, on était obligé de le faire, d'accord. On était obligé de le faire, mais on pouvait récupérer un bonus qui était un cœur au milieu. Très sympa ce petit jeu quand même. Et là, Ogu and the Secret Forest. Attention! Ils sont là! Ils sont méchants! Ils sont pas beaux! Ils me chient dans mes bottes! Tiens! Je sais pas quel âge on a, mais on est courageux quand même. Tiens, lui il est mort. Il est mort comme un caca. C'était juste une salle d'épreuve, une salle de combat. Est-ce qu'il y a d'autres choses à récupérer? Quelque chose dans ce pot? Non, tout va bien. J'ai eu de la chance. J'ai eu du pot. Comme dirait Christophe Lambert. Ok, on va aller là. Raccourci, vous pouvez assigner des trucs et des machins. Eh ben, c'est formidable. Ça veut dire qu'on va obtenir quelque chose dans ce coffre. Une goutte fraîche. Très bien. Des fruits de santé. Ok. Comment je fais... Il est où mon inventaire? Il est où mon inventaire? Il céleste. D'accord, des chapeaux, des... Des objets spéciaux. Déjà des trucs, des machins. Je sais pas où qu'il est mon inventaire. Ouais. Carte, il doit être là. Inventaire, ok. Vas-y, change. Comment tu changes? Ah, comme ça. Raccourci, ok. Qui nettoie ton corps, très bien. Raccourci, tac, pour se soigner. D'accord, on peut soigner facilement et se nettoyer facilement. Mise en garde, des choses importantes sont stockées dans la pièce au-delà, singe. Seuls les singes sont autorisés. Ouais, moi je m'en fous, je détruis tout, moi j'ai pas de respect. Pas de respect. Oh, qu'est-ce que c'est? Une gougoutte? Non, d'accord. Ah, je passe. Ah ouais, je passe, ok. Pourquoi pas. Oh, y'a un boss. Ah ouais, d'accord, c'est du... Tiens. Oh putain. Que je dois faire. Ah, mais je suis bientôt mort, non? Ah, il m'a fait très mal. Ouais, bon, bah voilà, moi aussi. Il m'a fait très mal, mais moi aussi. Très bien, vas-y, mange chat. On va pouvoir avancer. On n'a pas beaucoup de points de vie, hein. on crève facilement quand même. Hein. Oh putain! Oh, mais il me vole mon travail! Oh, ils me capturent, ils vont sans doute me violer le cul. Avec des bananes. Et on s'arrêtera juste après ça, je pense. Comment oses-tu voler notre trésor? Décale-toi, je vois rien. Tu l'as fouillé au moins? On a trouvé cette plume brillante. Attends, cette plume, c'est... Je pense pas qu'il s'agisse d'un simple voleur. Il y a un vieux proverbe qui dit... L'homme à la plume brillante doit réunir les pièces perdues et restaurer ce qui a été brisé. Je ne sais pas où tu as trouvé cette plume, mais laisse-moi te mettre à l'épreuve. Oh, une épreuve. Réussi l'épreuve du temps du soleil, ramène-moi le sceau du soleil. Ok, ça me va. Bon, on va s'arrêter là. Est-ce que je vais faire un deuxième épisode? Peut-être, je ne sais pas. C'était Ogu and the Secret Forest. Bah écoutez, c'est très sympathique. À la Little Dew, à la Zelda, on aime bien l'action-aventure comme ça. C'est très cool. Les liens seront dans la description si le jeu vous intéresse. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne. Voilà, gros bisous à tous et à bientôt. Bye bye, salut, ouais.